on est à Bouctouche, on appellerait la Dunaradi. En réalité, c'est le fond de la baie. Et c'était la terre, exactement la terre, de mes ancêtres. Cette terre-ci où je mâche était propriété, est encore plus ou moins propriété de la famille Maillet. Le fond de la baie, pour moi, c'est mes attaches profondes à la vie. Il est mon inspiration artistique. Je suis devenue écrivain parce que j'ai connu le fond de la baie. Quand je viens de Montréal, c'est une bouffée de souvenirs. Je commence à écrire dans ma tête. Je commence à bouger le monde. Je commence à sentir un mouvement intérieur qui va produire des mariages hélas, qui va produire des sagouines, qui va produire des pélagies, qui va... Et actuellement, tout récemment, maintenant, qui produit Pierre Bleu. Pierre Bleu, qui est bleu comme la mer, bleu comme le ciel, bleu comme mes yeux, bleu comme je serais si j'avais à me donner une couleur. Moi, je suis d'une famille assez nombreuse. En fait, ma mère a mis au monde 10 enfants, mais 9 qui ont vécu. Mes parents étaient extraordinaires. D'abord, ils m'ont compris. Ils ont compris ce que je voulais faire. Même assez jeune, parce que ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Mais déjà à 14 ans, je suis sûre que ma mère savait que j'avais une vie à vivre, qui n'était pas la vie de toutes les petites filles de Bouctouche. Puis elle m'encourageait. Sans que je le sache, maintenant je le sais, oui. Ce côté conte, ce côté histoire, ce côté imagination qui rentrait dans mon monde, elle le respectait. Elle me laissait jouer des jeux d'imagination, bâtir le monde. Et mon père, il est mort quand j'avais 24 ans, j'étais en train d'écrire mon premier roman, Pointe au coq, et puis je le lui ai lu sur son lit de mort pratiquement. Alors, mes deux parents ont compris ce qu'il me fallait dans la vie et l'ont respecté et m'ont encouragé. Mon enfance dans le coin le plus reculé du continent, coincé entre les champs, les bois et l'océan, n'était pas un paradis, je le sais. Mais toute rabougrie qu'elle eût été, elle est perdue. Voilà qui la rend inestimable et qui rend mon âme inassouvie. Donne-moi la mer, a dit, toi, mon double, ma mémoire, mon histoire primaire et primitive. L'enfant que je fus, souffle-moi dans les narines, comme Dieu au grand-père Adam. Ramène-moi au temps où tout a commencé pour nous. Une seule fois, une dernière fois, faisons le voyage par les sentiers sinueux de la mémoire. Retournons gratter l'envers des membranes du cerveau. Essayons de grimper jusqu'aux confins du spatio-temporel qui nous appartient et qui remonte, remonte au temps où tu reposais dans les entrailles de ta mère. À Montréal, depuis plus de 3 décennies, habiter cette même maison-ci depuis 1974. En réalité, je suis venue à Montréal il y a 40 ans, parce que je suis arrivée en 70 pour y habiter, pour y rester. J'ai trouvé mon logis qui m'allait bien. C'est assez curieux parce qu'en réalité, je suis... On croirait que je suis une personne fixe avec des... une sorte de... d'enracinement. Puis c'est vrai que j'ai des racines profondes, mais mes racines sont des algues qu'on peut promener. Vous savez, je traîne mes racines avec moi comme des algues. Alors, je suis acadienne, mais je me suis très bien adaptée à Montréal, et c'est chez moi. Dans mon travail, j'ai de la discipline. Parce que, d'abord, le travail nous commande. Je dois aller à mon grenier et travailler. Et ça, ça devient une routine. Ça devient une discipline imposée par la nécessité intérieure.
Il faut établir un rite, un rituel. L'amour a besoin du rite. Eh bien, la discipline dans l'écriture a besoin de ça aussi. Si tous les matins, je pars à 8h30, 9h, et je monte à mon grenier, et je sais que je suis là jusqu'à 1h, par exemple, il se crée un besoin intérieur. Il se développe une connivence entre moi et mon monde intérieur ou extérieur, mes personnages, disons mon monde. C'est comme si on m'attendait. J'arrive au grenier, puis je les vois partout, assis sur les poutres, qui me regardent, qui grimacent. Les personnages sont là. Je les salue, je leur dis bonjour. J'arrive dans leur monde. Citroën! Je suis juste là, là. Excuse. Mais tant qu'une petite affaire vers la gauche! Okay. Regarde la cage, front des récifs à tribord! Je suis habituée à me mettre dans la peau des autres. Puis la peau des autres, c'est pour entrer dans le monde de mes personnages. Je suis un citoyen de l'île aux puces, tu seras à part entière. Ben, c'est ça. Non, je suis pas plus sain qu'un autre. Je fais juste un peu mieux ma religion que le commun des mortels. La rigueur ou la discipline professionnelle, c'est par la force des choses parce que je rencontre quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est mon monde. Je te punirai, tu brûleras! Oh! Oh! Mon Dieu, Seigneur! Oh, par chance que j'ai pas confessé aucun de mes péchés! La vie? Hey! Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ben, à part l'amour... Je me penche sur Radhi, ma mémoire, l'enfant que je n'ai jamais cessé de traîner avec moi et qui fait semblant de ne pas voir venir la fin. C'est moi, Dieu, et je vais créer le monde. C'est fait, Radhi. L'histoire est finie. J'étais partie à la quête de mes personnages. Le destin m'attend et le temps m'appelle. Il plie le genou, lève le pied et fait son premier pas vers le flot d'énergie qui l'attire en bas. En haut, à côté, en dessous, ailleurs. Et dans le geste le plus courageux de sa toute jeune existence, il plonge tête première, fond dans un cosmos perforé d'étoiles à peine sorties de leur lit et qui regarde filer cette étrange comète à la huppe et au bec d'oiseau migrateur. Anthony Maillet a su insérer dans son discours, dans les histoires qu'elle raconte, elle a su insérer d'une façon très subtile, très délicate, d'une façon magistrale, les récits qui appartiennent à l'histoire, au patrimoine littéraire de l'humanité. Et je voudrais citer par exemple, bon, c'est évident qu'elle fait allusion à la Bible, à l'Exode, à la Genèse, à Jonas, à Babel, mais elle continue, elle fait référence à Homère, elle fait référence à Rabelais, elle fait référence à Goethe, elle fait référence à Cervantes, à Proust, aux grands écrivains qui ont forgé l'identité narrative de l'Occident. Antonine Maillet, au fil des années, et je dirais davantage dans les derniers romans et surtout dans Pierre Bleu, explore une veine imaginaire qui est caractéristique de l'Amérique, qui ne se retrouve pas en Europe. Ce n'est qu'une fois libéré des forces contraires qui s'affrontent là-haut que le bonhomme bleu comprend qu'il doit élire domicile quelque part. Se choisir un espace-temps où dérouler son histoire et accomplir sa destinée. Mais rien ne presse. Entre temps et éternité, il soupçonne qu'il dispose d'une certaine marge pour remplir la besace de sa mémoire qu'il porte entre les deux épaules et qui l'accompagnera durant toute sa durée. À chaque fois que j'écris un roman, c'est toujours mon meilleur, c'est entendu, jusqu'à ce qu'il soit
imprimé, puis après, ben, je l'oublie un petit peu, puis je pense au prochain. Mais il n'empêche qu'il y a eu des meilleurs livres que d'autres. Je suis pas dupe. Je sais qu'il y a des jalons dans mon œuvre qui sont des bornes, qui sont des temps forts. On n'a qu'à penser à la Sagouine, à Pélagie, aux Cordes de bois, bien sûr. Je pense, moi, mais quoi qu'on pense, les critiques, ça me fait rien, le huitième jour, et d'autres. Le chemin Saint-Jacques, ça a été Mariage hélas. Ça a été des temps forts, hein, j'en ai beaucoup finalement, mais des moments. Les autres, on dirait, sont des suites de ceux-là ou des précurseurs à ceux-là. C'est comme si un livre prépare un autre livre. Je crois que Pierre Bleu est un... Ah oui, pas seulement je crois, je suis sûre. Là, c'est un nouveau départ. C'est autre chose. Et est-ce qu'il y aura des suites? Est-ce que ce sera un livre isolé? Est-ce que ça révèle une autre vision que du monde? Chez moi, je crois que oui. La première personne avec qui j'ai travaillé en arrivant chez Le Maire comme directeur d'éditorial, c'est Antonin de Maillet. C'est une manière de briser la glace qui est terrifiante et merveilleuse en même temps. Parce que Antonin possède un vaste métier, une pratique de l'écriture au niveau de son artisanat depuis toujours. Je pense que bien des gens ont eu peur de lui faire des commentaires critiques en lui disant « ceci pourrait être travaillé, cela pourrait être coupé, etc. etc. » Bien des gens ont eu peur de le faire par un respect un peu mal placé qui consiste à laisser le grand auteur à son œuvre tout seul. Or, tous les auteurs ont besoin d'avoir un commentaire. Alors, Antonin, grand professionnel, aime discuter du métier, du savoir-faire, de la manière dont les choses sont écrites, donc comment elles sont construites. C'est par là que je l'ai abordé. C'est par ce savoir-faire, cet artisanat, ce côté. Le talent d'Antonin est indéniable. Ça bouillonne à l'intérieur de ses veines. C'est gros de même, mais c'est un volcan. Un auteur qui décide d'aller jusqu'au bout, puis je vous dirai maintenant que j'ai le droit d'aller jusqu'au bout, à cause de mon âge. Je parle jamais de mon âge, sinon quand c'est pour vous dire qu'il vient un temps où l'âge nous donne des droits. Pas seulement de rentrer au cinéma à moitié prix, là, c'est pas ça. Là. C'est le droit de la liberté. Quand on a fait 50 ans d'écriture, puis qu'on a presque 50 livres ou à peu près à son actif, qui est-ce qui est capable de venir me dire, ben maintenant tu dois écrire comme ça? Vous avez entendu, là? Personne. Non, ce que ça veut dire, la liberté, ça veut dire que moi, vis-à-vis moi, je me sens libre. Je suis intéressée avant tout à ce que la maison d'édition fasse son travail. Le travail d'une maison d'édition, c'est deux choses. Premièrement, ou je dis pas dans l'ordre là, mais une des choses qui est évidente, c'est la promotion de l'œuvre. C'est la publicité pour l'œuvre. C'est de vendre l'œuvre. C'est une maison d'édition est un commerce aussi. Mais l'autre chose, qui pour moi est beaucoup plus importante, c'est la direction littéraire à l'écrivain. C'est de suivre l'écrivain qui fait une œuvre et non pas un livre. Une maison d'édition ne peut pas s'occuper d'un livre. Il doit s'occuper de l'ensemble de l'œuvre. Le prix Goncourt 1979 est attribué à Antonine Maillet. Les jeux sont donc faits en matière de prix. Pour son ouvrage Pélagie la charrette. Au pays des Acadiens français du Canada. Le Goncourt à Pélagie la charrette, outre le grand tirage, qu'est-ce que ça signifie, Antonine Maillet? C'est une date historique. C'est une première mondiale pour le Canada. Le Goncourt n'avait jamais été donné à la France outre-Atlantique. Et c'est pour la première fois au Canada. Et ça, c'est par le biais de l'Acadie. Et ça se donne à toute la francophonie d'Amérique du Nord. Lorsque Mme Maillet a reçu le prix Goncourt, elle avait déjà derrière elle le succès de la Sagouine. C'était un succès de scène, c'était un succès de télévision, c'était un succès même de publicité. Je pense qu'il y avait déjà eu des gens qui avaient récupéré le personnage de la Sagouine en différents clins d'œil. Lorsqu'elle a reçu le prix Goncourt, après l'avoir échappé l'année d'avant, ça a été un peu plus complexe parce que l'honneur était énorme, venait d'ailleurs. L'institution littéraire ici a été dans un certain malaise, puisqu'il était attribué à qui? Un écrivain québécois, un écrivain acadien vivant au Québec, intégré au Québec. Ici, les répercussions ont été un
peu plus partagée peut-être, fort élogieuse dans certains cas, discrète dans d'autres, silencieuse dans d'autres, puis d'autres un petit peu moins heureuses. Mais je ne crois pas que les lecteurs ont boudé ça. Je savais la réaction de beaucoup de Québécois vis-à-vis le Goncourt. Il y en a qui n'avaient pas apprécié. Pourquoi moi? Tu sais, il y a beaucoup de livres au Québec qui auraient pu avoir le Goncourt avant moi. Ou tout de suite après. Alors, je comprenais, mais je le portais difficilement parce qu'on me le faisait sentir. Tu sais, quand je pense que... Je pense que j'ai eu une lettre d'un écrivain, peut-être deux, au Québec. Alors que j'ai eu des lettres de tout le monde. J'avais des piles de lettres de tout le monde qui me félicitaient, mais pas les écrivains. Et des articles méchants, très méchants. Je pense que ce malaise-là n'est jamais parti. Et on aurait aimé sans doute, parce qu'on est Québécois, que le premier concours attribué à un Québécois soit un Québécois né natif du Québec. De pure laine, il a été attribué à une femme qui venait d'ailleurs, qui a un talent immense et qui a été reconnue par les gens de la francophonie. Não se preocupe, Joseph Broussard, o beau soleil, o sol radiante. Não se preocupe. Toda noite, as estrelas brilharão para você. Bol to taký krik, že rozvlnil aj slabú trávu tinta morských močarí. Que había acabado con seis bueyes. Que había atravesado un continente. Que había dado cobijo a su familia. Coqueno a loco pocar. Butush valone, pocara Prince Edward valo. Den gamle Louis Abeloni säger, så kom Akadi fram ur skogen ett sekel senare. She, Pelagiborg, called Leblanc, harnessed to the plow of slavery. She who had known prosperity and independence in the land. J'aurais signe de pérennité. La preuve, hein. Elle s'était drôlement bien défendue dans la bourbe, la petite bougresse. The brilliance of what I think is really Anthony Maillet's most internationally renowned novel, Pelagie la Charrette, or Pelagie, the Return to Acadie in English, is that it... it manipulates all different kinds of stories, but essentially it's a foundation myth, a creation myth, a singing of the Acadian people into existence. Pourquoi la Georgie d'Herbrixé, la vieillarde qui approche 100 ans, puis qui n'a plus ni famille puis ni parenté parmi les vivants? Faudrait qu'il se mette les poings en tête, de la traîner jusqu'à la Grand Pré, sa charrette fantôme. It's a founding myth because it uses the story of the Acadian exile and return to create a sense of being a community, a sense of being a people. There's a wonderful image in the book of a chest that's carried on the cart for some time and is eventually lost in a sense. But it's always there. And what that chest is a kind of arc of memories, stories, of the lore and culture of a people. And without that, Maillet even says and expresses through Pelagie this idea in the novel, the Acadians did not become a people yet. They needed, in a sense, the consciousness of the importance of their story, and it's that she manages to sing so beautifully in the book. J'avais entendu dire que quand quelqu'un reçoit le Goncourt, après, il n'écrit plus jamais. Eh bien, je savais que moi, j'allais faire mentir le proverbe. Il n'était pas question que je n'écrive plus jamais parce que j'avais eu un prix. Mais j'ai compris pourquoi ça pouvait arriver, ça, chez certains. C'est qu'il y a trop de pression. Puis la pression est surtout psychologique. C'est-à-dire, maintenant, il faut que vous écriviez un autre Goncourt. La suite à Pelagie, s'il vous plaît. On me téléphonait, dépêchez-vous, il nous faut un livre tout de suite. Là. Vous savez, c'était à ce point-là. Ça, c'était pas correct. C'était pas juste vis-à-vis moi. Et la preuve de ça, c'est que j'ai écrit un livre trop rapidement après. Ça a été 100 ans dans les bois. Et je l'ai mal fait. Et je suis conscient d'un livre bâclé qui aurait pu être beau. Il y avait un beau sujet. Mais il y avait trop d'exigences extérieures. Pelagie la Charrette, et on en vient donc à votre roman, Pelagie la Charrette, qui a été déportée, comme les autres Acadiens, décide de rentrer au pays. Oui. 17 ans après. Une quinzaine d'années après, c'est-à-dire comme la plupart de ces Acadiens. Elle décide de rassembler son peuple
Au fond, c'est une sorte de... Même pas. Même pas, non? C'est-à-dire qu'elle décide de ramener sa famille. Alors, elle ramène ses enfants au pays. Et quelques restants de pays. Un nonagénaire, une orpheline, une vieille fille qui n'avait pas de famille. Elle met tous ces gens dans sa charrette à bœufs et elle part pour l'Acadie. De la Géorgie à l'Acadie, c'est un continent. C'est à peu près la distance de la France au Canada. Enfin, c'était toute remontée, l'Amérique à pied. Au fond, elle se découvre une sorte de Moïse en jupon ramène son peuple. C'est une espèce d'odyssée, oui. On est rentré comme ça. Et c'est historique. En littérature, généralement, un écrivain émerge parce qu'il sait marquer les distances avec ce qui le précède. Et Anthony de Maillet a su faire ça par rapport au mythe d'Évangeline, qui était vraiment extrêmement important en littérature acadienne, qui était prégnant dans toute la littérature acadienne jusque vers les années 50. Cette phase d'émergence de la littérature et de mise de l'avant des traditions populaires s'est superposée, en quelque sorte, à une phase où on veut tout de suite accéder à la modernité. Et c'est ça qui a provoqué un peu ce heurt entre Anthony de Maillet, qui a représenté quand même beaucoup de choses, et en même temps, des jeunes poètes qui, eux, voulaient accéder directement à la modernité et qui étaient en quelque sorte un peu gênés par ce portrait d'une Acadie traditionnelle. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de tensions à un moment donné entre elle et nous, qui n'a pas été générée par elle, je veux dire, évidemment, c'est nous qui, comme jeunes loups, avions comme intérêt plus ou moins à nous affirmer. À ce moment-là, ces tensions-là avaient peut-être lieu d'être, on n'avait peut-être pas lieu d'être, mais je pense qu'elles sont normales. Nous, on avait choisi de vivre ici. On a choisi de vivre sur le territoire acadien. Et une des choses qu'on trouvait qui nous agaçait le plus, c'est le fait que le discours était généré à l'extérieur, de l'extérieur. Mais je pense que sur l'ensemble, on s'entend, c'est-à-dire le fait qu'on a tout, on partage tous les deux une grande admiration, une grande affection pour le peuple acadien. Je veux dire, dont on est origine et auquel on essaye de donner une voix ou de donner une identité. L'université était si jeune, si fragile à ses débuts, qu'elle ne pouvait rien laisser au hasard, qu'elle devait rallier toutes les forces universitables. Or, les collèges féminins cultivaient la moitié de la jeunesse intellectuelle acadienne. Et Notre-Dame d'Acadie, la plus grosse moitié de cette moitié-là. En somme, disons tout crûment que la toute jeune université ne pouvait se passer de nous. Les femmes, on a dû faire beaucoup de chemin. Parce qu'en réalité, on nous demandait à nous d'être doublement compétents, deux fois plus que les hommes, pour avoir le poste d'assistant de l'homme, si vous voulez. C'était à ce niveau-là, à peu près. À ce moment-là, je n'avais pas compris ça. En tout cas, ça ne m'inquiétait pas. J'étais pas au niveau de me dire, ben là, il faut que les femmes aient leur place. Je disais seulement, il faut que la littérature ait sa place en Acadie. J'étais beaucoup plus préoccupée par les élèves que par mon titre de professeur. Avec un grain d'intelligence et deux de bonne volonté, nous serions parvenus à nous entendre. Mais voilà. L'élément mâle de la société avait développé pendant des siècles un tel mépris pour l'intelligence des femmes qu'on négligea d'y faire appel et préféra trancher le nœud gordien à coups de sabre. Je sais qu'à l'université de Moncton, quand j'étais professeur, je ne serais pas devenu directeur du département, encore moins doyen de la faculté. J'enseignais et j'aimais ça. Je suis partie avec un congé sans solde, à mes frais, faire mes études de doctorat. Puis j'ai demandé une deuxième année, ce qui était logique, on ne fait pas un doctorat en un an. Mais mon Dieu, c'était déjà un tour de force. Et on m'a refusé la deuxième année. Je pense que la deuxième année m'a été refusée pour des intérêts très personnels et très mesquins. Mais ça m'a choqué quand même qu'on ne me donne pas la chance de faire un doctorat, puis que c'était une exigence d'avoir un doctorat. On ne veut pas me donner la possibilité de le faire, mais on exige que je l'aie pour revenir. Qu'est-ce qui me reste? Et là, je réponds à tous ceux qui en Acadie m'ont dit « Pourquoi es-tu parti? » Mais c'est une des raisons. Je suis parti parce que je ne pouvais pas revenir. Ce qui est très curieux, c'est quand je reviens à l'université plusieurs années plus tard, c'est comme chancelier.
La vengeance est douce au cœur ulcéré, mais c'est pas la question. C'est pas une vengeance pour moi. C'est un retour des choses. Puis chaque fois que le retour des choses s'est présenté, je l'ai offert aux femmes. C'est là mon féminisme. Quand on a renouvelé mon mandat à 3 reprises, je me suis dit, c'est là que la cause est gagnée. C'est donc un peuple fier et moderne qui, en 1999, à l'occasion du 8e sommet de la francophonie, vient à la rencontre du président Jacques Chirac pour accueillir ce grand Français. C'est pas pour rien que j'ai écrit comme première phrase d'un sketch de la Sainte. La Sainte avait un sketch à elle toute seule. Et la première phrase qu'elle a dit, « Apprends toute la place, toute la place! » Elle en voulait à la Sagouine qui prenait toute la place. Et si j'ai dit ça, c'est pas anodin. Je représente pas le peuple acadien. En fait, le peuple acadien est représenté par ses gouvernants, par ses présidents d'associations officielles. Je n'ai absolument aucun titre officiel pour représenter l'Acadie, jamais. Mais plus d'une fois, il m'a demandé de le faire. J'ai vraiment fait mes premiers jours à la radio ici. Quand on m'a demandé des textes, c'était pour moi un gagne-pain. Je partais à Paris et puis j'avais besoin de gagner un petit peu parce que j'allais vivre là-bas une année. Des textes qui s'appelaient « Billets littéraires » d'Antonine Maillère Montaigne. À qui est-ce que je parle? Et là, j'ai vu le peuple acadien. Pas le peuple acadien, mais des petits morceaux de peuple acadien. M'écoutez. Et j'ai commencé à leur parler. Et ce matin-là, je me rappelle, j'ai pris la décision de fermer les portes de mon cerveau. De laisser vraiment parler mon inconscient, mon subconscient, de laisser venir ce qui allait sortir d'instinct que je possédais et qui était moi. Je me suis dit, si j'ai vraiment quelque chose à dire, ça va venir. Si j'ai rien à dire, ça viendra pas et je me tairai. C'était mon test ultime. Et j'ai écrit la Sagouine. J'ai peut-être bien la face noire puis la peau craquée, ben j'ai les mains blanches, monsieur. J'ai les mains blanches parce que j'ai eu les mains dans l'eau toute ma vie. J'ai passé ma vie à forbir. Je suis pas moins guignouse pour ça. J'ai forbi sur les eaux. Je pouvais bien passer pour crasseuse. Je pense que notre vie a décrassé les autres. Ma relation avec Antonine Maillet comme auteur, là, c'est extraordinaire. Puis surtout, je vous raconterai où ça a évolué, là, où ça s'est rendu. Mais je la connais depuis toujours. On avait les mêmes visions et le reste. Moi, j'ai été étudier le théâtre. Elle voulait être une écrivaine. J'y ai dit un jour, là-bas, en 68, avant la Sagouine. J'ai dit, Tonine, si t'écrivais des pièces, toi, puis moi, je les montrais. T'sais. Puis là, déjà, elle m'avait répondu, ben, des viola, elle dit, je crois que j'aimerais mieux faire des romans. Moi, je suis arrivée en 49 parce que je suis du premier groupe qui a fini ici en 50, le baccalauréat. Ah, Seigneur, ça me fait... Hein, ça me donne des frissons. C'est ça, là, c'est là-dedans qui m'intéresse. Je vois là l'entrée et là, ici, c'était l'escalier. Puis on était proche de tomber chaque fois parce que c'était du linoleum puis ça glissait, ça. J'en ai vu ton glisse, descendre ça sur leurs fesses, là, j'en ai vu. Oh, regarde les photos. Oh, mon Dieu de la vie. Mère Juliette, ben, elle était supérieure du collège d'abord, puis ensuite générale. Puis mon professeur de philo. Alors, on s'en va vers l'auditorium. Eh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Entracte, Andromaque, Poiracre, les jeux d'enfants sont faits. Conchette. Le collège de Notre-Dame. Ouais. Distribution, ah, mais mon Dieu. Vraiment au fond de mes mains, je trouverais ces programmes. Moi, j'en ai. Ah, oui, je les ai. Eh bien, ça c'est. Viens là, le rideau ouvre et t'es là et tu joues le malade imaginaire.
Et là, tu te lèves, et puis moi, toi, net, j'arrive, puis on fait le même. Pense l'initiation au théâtre entre toi et moi. La connivence, c'est ici, quand on jouait les Molières. Puis après, mais j'ai commencé à écrire les pièces comme Entraque, Poirac et tout ça. Ça a commencé comme ça. Mais c'est extraordinaire. J'en reviens pas, c'était hier. Et il y a combien de temps de ça? 50? 50 quelque chose. Ça fait 56 ans. Et je pourrais réciter, je pense, par cœur, les choses qu'on faisait. C'est extraordinaire. Ces 50 ans qui ont flyé. On s'assoit comme ça, puis on regarde ça. Là, j'ai eu mon baccalauréat. Là, j'ai fait mes débuts de théâtre, mais comme auteur, comme comédienne, mais amateur, avec toi. Donc, tous mes débuts, presque mes débuts littéraires sont ici. Ah oui? La Sagouine, quand je l'ai écrit, puis quand je te l'ai envoyé, tu étais à Paris, puis je t'ai envoyé le texte. Quand je t'ai proposé La Sagouine, c'est parce que je t'avais vu faire ces choses-là. Jouer à la marelle là-dessus. Allez, vas-y. J'avais ma chambre ici. Et c'est ça la vue que j'avais. Et là, j'avais mon pupitre ici, que je m'étais fabriqué moi-même. Ici, j'avais ma bibliothèque. Alors, la pièce se terminait là. Et moi, j'avais droit à ça, qui était le coin du corridor. J'avais mis mon armoire pour mes vêtements là, pour libérer ma chambre, qui était grande comme ça. Mon lit était là. Mon pupitre était là, ma petite bibliothèque fabriquée avec des briques puis des planches. J'avais cette vue-là et ici. C'est ton premier phare. Oui. Et ici, j'ai écrit Les Crasseux, dans l'Orignal, ma thèse de doctorat. Et j'étais assise là quand j'ai écrit pour la première fois le nom de la Sagouine, qui était dans les Crasseux puis dans l'Orignal. Quand Les Crasseux ont été publiés, ça a été publié en même temps que Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, mais juste un petit peu avant. Elle porte le numéro 5 dans la collection Théâtre vivant, alors que Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, c'est le numéro 6. Mais c'est arrivé en même temps. Mais il faut dire qu'il y avait c'était un moment. Parce que c'est certain que Maillet et Tremblay ne se sont pas concertés pour dire « on va écrire maintenant des pièces de théâtre dans la langue populaire ». C'est arrivé en même temps, mais c'était dans l'air du temps. Donc, c'était le moment de faire rentrer cette langue-là dans le théâtre, entre autres. J'écris mon premier texte dramatique, Les Crasseux, en commençant par Godesh de Hell. C'était une façon presque de me libérer de cette rigidité de mon enfance dans l'éducation. Elle a écrit ça alors qu'elle était dans un couvent, dans un habit de religieuse. Donc, elle transgressait toutes sortes de choses en même temps. Elle transgressait la norme linguistique, elle transgressait aussi les règles de bonne conduite, si on veut, lorsqu'on est une religieuse dans un couvent. Et pour elle, ça a été la libération par la suite. Le pays de la Sagouine, c'est une espèce de merveille récréo, touristico, populaire, inspirée du monde fantaisiste de Madame Maillet. C'est l'incarnation populaire d'une œuvre littéraire. C'est d'ailleurs ce qui en fait son charme et en même temps sa limite. Vous êtes nouvelle dans le bout, madame? Une immigrante? De Chine. Ah! Je veux dire marocaine. Une marocaine de Chine. Je veux dire passer par la Chine. Avant d'atterrir ici à Bush, comment ça s'appelle? Bush quoi? Touche. Alors, le pays est constitué d'un ensemble de sketchs qui sont présentés au pays de la Sagouine, mais aussi dans les soirées théâtre, repas et théâtre, dans la grande scène avec cette année Pélagie Lacharette, l'année dernière l'Odyssée. On est face à une démarche de farce populaire. On est beaucoup plus proche, à la limite, des humoristes dans les sketchs humoristiques que dans une démarche de comédien dell'arte. Ça prend un homme pour porter la soutane.
enfant sans aliment. Le nouveau spectacle de Citrouille avec ses monologues. J'ai juste sorti une petite liste des textes pour qu'on voit un peu ça serait quoi le choix là-dedans puis la durée du spectacle. D'accord. Parce que là, si on prend tous ceux qu'on avait identifiés, plus un nouveau, on arrive avec un spectacle de 1h52, qui est peut-être un peu long. Et on voudrait? On voudrait 1h30. 1h30, ça c'est très bien. Si on enlevait le nouveau, puis qu'on coupait 5 minutes du prêtre, on a déjà 17 minutes en moins. Toi, Peigne, tu lavais le pont à Grancio. Puis là, tout d'un coup, là, t'as décollé en courant. Il y a deux couches de personnages fondamentaux là au pays. Il y a les grands personnages, Citrouille, la Sainte, Michel Archange, la Sagouine, Marie-Angélas. Il a compris qu'elle est pas de sa maison. Ça, c'est les fondamentaux qui viennent directement de l'œuvre. Et il y a aussi une deuxième couche un peu plus secondaire, Peigne, les Ratoureux, les tournées maintenant, parce qu'ils font des tournées pour adultes et pour enfants, parce qu'ils ont développé un volet d'enfance. C'est vraiment une grosse machine théâtrale qui emploie énormément de gens. Des pierres à fusil, des lauriers fleuris. Vous savez, j'ai des moments d'une intensité, d'un bonheur. Les intensités de bonheur, c'est quand je trouve. C'est quand, même pas quand je cherche, mais quand je trouve une idée. J'en ai eu une tellement forte. Tout le monde me dit que c'est une idée de génie. Ben, moi, j'appelle pas ça du génie. J'appelle ça des instants heureux dans la vie de quelqu'un. Je marchais, je faisais ma promenade quotidienne. Je marche tous les jours, une quarantaine, cinquantaine de minutes. Puis je cherchais quel pouvait être le rôle à donner à Luc Leblanc, dont Pélagie la Charrette. Il fallait un rôle à sa mesure. Puis là, je me suis dit, il va faire le narrateur, parce qu'il faut que je passe du roman au théâtre, et dans 2 heures, je dois dire ce que le roman dit dans 15-16 heures. Alors, comment faire? Le narrateur, ça sonne un peu pageant, ça sonne un peu... Ça me satisfaisait pas. Il va faire le coryphée, comme chez les Grecs, celui qui dirige un peu les comédiens et se trouve à narrer la pièce. Déjà, c'était plus avancé. Mais le jour où j'étais allée marcher, je cherchais plus. Je croyais que j'avais déjà trouvé que c'est... Et là, j'ai trouvé. Il va faire l'histoire. Ben voyons, c'est évident. Qu'est-ce qui est l'antagonisme? Parce que entre un roman qui narre, qui raconte une histoire, et un drame qui joue l'histoire, c'est-à-dire avec des antagonismes, avec des forces contraires qui luttent, avec une bataille, si vous voulez, et ça doit se faire en 2 heures, il faut quelqu'un qui affronte le peuple acadien, qui affronte Pélagie. Et c'est pas juste les Anglais, ils n'ont pas affronté Pélagie quand elle était là-bas. C'est qui? C'est l'histoire qui refuse qu'il n'y ait pas eu ce génocide. On a déporté les Acadiens parce qu'on a voulu les éliminer. L'histoire est complice, en un sens. Alors, voilà que Pélagie rencontre son adversaire. L'histoire qui refuse que l'Acadie se refasse. Quand j'ai eu cette idée-là, la pièce était construite. Bravo. Bravo, bravo, bravo encore. Encore mieux que le premier soir. Ah oui? Ah oh, non, c'est vraiment très, très, très bon. Toutes sortes de choses, mais j'en remarquais plus. D'abord, je suis beaucoup mieux assise là. Oui, dans l'eau, il y avait des choses que je ne voyais pas. Comme là, ce soir, à peu près parfait. Je peux assumer ce double personnage en moi, qui est la romancière et la dramaturge. Mais la romancière, la dramaturge ne se rencontrent pas dans le même monde. L'un est dans un monde plus universel, une capitale, une métropole, et l'autre est sur place. Mais les deux traduisent la même hantise d'Antonin Maillet, qui est « Qu'est-ce que nous sommes? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous passés ici? Qu'est-ce qui me distingue des autres? Quelle est mon identité à moi? »
Je réussis à faire tout ce que je fais parce que je suis disciplinée. C'est pas contradictoire, c'est un sine qua non. On ne peut pas arriver à faire beaucoup de choses dans une journée si on ne met pas les choses en place. Si j'écrivais pas tous les matins, mais que je disais j'écrirais quand j'ai du temps pour ça, je n'aurais jamais de temps pour ça. On s'impose des choses comme ça. Les essentiels, il faut les imposer, sans quoi on est continuellement dans les accessoires. Il y a des urgences et puis il y a des essentiels. Il y a des gens qui ont passé leur vie, et je crois que c'est la majorité des gens, qui répondent aux urgences. Ils n'ont jamais le temps pour l'essentiel. Eh bien, l'écrivain qui ferait ça n'écrirait pas. Parce que la vie est pleine de sollicitations. Et finalement, l'urgent se fait quand même. On trouve du temps pour ça, mais on ne lui donne pas la première place. Mon entrée à Montréal comme Antonine Maillette écrivain, eh bien, c'est avec la Sagouine. Et ça s'est fait au Théâtre du Rideau Vert. Et là, je dois rendre hommage à ces dames du Théâtre du Rideau Vert, Mercedes Palomino et Yvette Brindamour, qui avaient pris un risque énorme. Figurez-vous que cette pièce avait été proposée à d'autres théâtres qui n'avaient pas cru que ça pouvait marcher. Même Radio-Canada Montréal avait refusé parce que ça serait incompréhensible pour le public du Québec. Il a fallu que c'est un succès au théâtre pour que la télévision comprenne. Si m'avions pas tout pris mes calendriers et tout. J'avais stylo des Orven, pis stylo de la Ratoire, pis stylo de la Gendarmerie royale à cheval du Canada. Ben, il y a tout le temps de chaque enfant qui vient me le chercher pour le portrait. Et le mois de mars était fini, Gabi! Il y avait surtout en faveur de Mercedes qu'elle est une femme de risque. Elle était une femme qui osait, qui adorait les défis. C'était déjà un défi que de fonder un théâtre pour femmes, par des femmes, en 1948, alors qu'il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de théâtre encore institutionnel à Montréal. Et le Rideau Vert est le plus vieux théâtre institutionnel et professionnel du Canada. Pas seulement du Canada français, mais du Canada. Alors, comme elle avait, elle était une femme d'avant-garde, une femme de défi. Une femme qui aimait tout ce qui sortait de l'ordinaire. Mais la Sagouine sortait de l'ordinaire par sa comédienne inconnue, son auteur inconnu, une langue qui ne se parlait pas au Québec et un monologue par surcroît. C'était du théâtre qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Alors, tout ça, ça a été le, à la fois le coup de pouce, mais c'est plus qu'un coup de pouce, c'est un coup de foudre. L'Acadie, c'était quelque chose un petit peu loin. On n'aurait jamais imaginé qu'on était à la frontière, si vous voulez, pratiquement. C'était loin, l'Acadie. Et l'Acadie, réellement, on peut dire, d'après l'expérience, que c'est presque l'arrivée d'Antonine Maillet qui a apporté l'Acadie à Montréal. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis à chercher des choses, a été curieux pour savoir, pour connaître, pour découvrir, pour apprendre. Moi, et c'était ici les lundis du théâtre, lundi de relâche, où on risquait une pièce nouvelle pour voir comment ça allait passer. Eh bien, ça a tellement passé qu'à l'entracte, et ça, on n'avait jamais vu ça, le public s'est levé pour applaudir. C'est une première. À ce moment-là, les dames du théâtre, c'est-à-dire Mercedes Palomino, Yvette Brindamour, sont venues me voir, puis ils ont dit, on garde la pièce, elle ira pour, en saison. À partir de janvier, elle va vraiment jouer. C'est pas tellement les femmes du théâtre qui m'avaient convaincue que ça avait passé la rampe, c'était le public. Et le public me disait même, et ça c'était plus fort que me donner une critique de théâtre, c'était, mais vous êtes un peuple, mais vous êtes rentré de la déportation, mais vous êtes encore vivant. En somme, j'avais compris que ce soir-là, il s'était produit un événement historique, c'était de faire rentrer l'Acadie dans sa vraie place au Canada, c'est-à-dire dans la francophonie d'Amérique du Nord. J'ai été choyée par le théâtre du Rideau Vert. Je dirais que c'est à cause de la Sagouine.
La Sagouine ayant eu ce tel succès, elle a entraîné les autres pièces dans la queue de sa comète. C'est pour ça que tout de suite après arrive Mariage Hélas, qui n'a pas été une bonne pièce, qui a mal été faite. C'est une commande et je ne l'ai pas réussi. Et pourtant, le roman était réussi, mais l'adaptation à la scène n'a pas été bien faite. Ensuite, il y a eu Évangeline II. Là, le succès a été instantané, puis il a été, je crois, mérité jusqu'à un certain point. La pièce était bonne. D'autres pièces n'ont pas eu le succès qu'à mon avis aurait dû avoir. Je pense par exemple à William S. William S, d'après moi, était une bonne pièce. C'était trop différent. Et je pense que si c'est un autre auteur qui avait écrit cette pièce-là, elle aurait marché. Mais on attendait Évangeline, puis on attendait la Sagouine, puis on attendait une Pélagie. Alors comme on n'attendait pas Shakespeare, eh bien on m'a boudé un peu. J'ai connu des amours qui pouvaient ne pas être heureux, qui pouvaient ne pas m'aider, parce qu'il y avait une compétition, là. C'était dangereux. Par contre, j'ai connu, ça c'est le plus gros de ma vie, un amour qui m'a aidé énormément, Mercedes, qui a été le soutien, qui m'a fait confiance, qui m'a aidé, moi, à avoir confiance en moi et à progresser. Qui a été mon miroir. Puis ensuite, bien sûr, on n'a pas... Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que l'amour, c'est un roc solide. Ça fait partie de soi. Puis qu'on sent qu'on en a besoin et que c'est là qu'on est nécessaire à l'autre et l'autre nous est nécessaire et que ça nous fait vivre. Et que c'est la joie aussi, c'est le bonheur. Mercedes, oui, ça a été un très grand amour. Elle est toujours là. Ce matin, je suis allée marcher jusque chez les Irving. Et je lui parle, parce que je sais qu'elle est là. Et je me rappelle que je lui ai demandé, quelques semaines peut-être, au plus quelques mois avant sa mort, et un matin particulièrement, j'ai dit, quand on ne sera plus là, l'un ou l'autre, est-ce que l'autre sera là encore pour l'autre, pour celle qui est vivante? Puis elle a dit, je serai toujours là, compte sur moi. Et c'est incroyable à quel point je peux compter sur elle. Je sais qu'elle est là et je lui parle. Je lui parle dans mon journal ou bien je lui parle de vive voix. Puis quand je dis ça, je ne sais pas comment l'exprimer. Je n'ai pas à me référer à la théologie, là, pour parler comme ça. Qu'elle soit, que ce soit parce que je crois en Dieu ou non, je crois dans l'énergie. Si l'âme ou l'esprit, c'est de l'énergie, mais ça, ce n'est pas obligé de mourir avec le corps. Est-ce qu'un jour, on lira dans mes livres plus de secrets que j'en ai livrés, plus de matière intérieure que j'ai osé les écrire? J'ai une pudeur naturelle. Ce matin, vous me faites dire des choses que je n'ai jamais dites. Est-ce que cette pudeur est bonne ou pas bonne? Je ne l'analyse pas. Elle est comme ça. Dans mes livres, je parle très peu d'amour. Que ce soit entre mes personnages. Puis quand j'en parle, c'est avec une discrétion, puis je le sais. Je traverse le village la tête vide, mais le cœur et les reins chargés de rêves chatouillants. J'enfile les marais, les dunes. Je rentre à mon phare en comptant les marches qui montent à la tour. Je me hâte, sans savoir pourquoi. Sinon que je n'ai pas renoncé au paradis. Je ramasse mes feuilles, mes crayons, ma plume. Je suis sûre d'une seule chose. Après le 8e, le 9e jour. Les possibles sont infinis.